Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Une nouvelle édition de Repensons l'Afrique ce soir. Repensons l'Afrique, c'est votre émission d'analyse, de débat et de commentaires, de l'analyse des faits politiques, des faits de société qui accompagnent notre pays, qui accompagnent notre citoyenneté. Nous allons d'abord dire bonsoir à vous très chers téléspectateurs. Sous cette pluie, la pluie que les Yaoundéens sont en train de... La saison de pluie qui agrémente le quotidien des Yaoundéens, qui modifie un peu les comportements et qui nous a... fait accuser un léger retard ce soir. Repensons l'Afrique ce soir, nous allons aborder deux thématiques liées à l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine qui a été mouvementée par la sortie du doigt d'âge de la chambre haute du Parlement camerounais. En effet, Victor Moukete Songoso, de son nom, a fait une sortie tonitruante au sein de la chambre haute où il a accusé le président de la République d'avoir été, d'être à l'origine des échecs du système camerounais. En effet, depuis les années des indépendances, le Cameroun a connu plusieurs temps dans son histoire politique, principalement avec les moments de réunification, d'unification, et puis de la Grande République camerounaise, où un système a imbriqué à son sein à la fois un système anglophone qui est un héritage de l'Indaï Redwood anglais britannique et le système francophone qui est un système centralisé dit jacobiniste. Est-ce que le système BIA est-il un échec? La question se pose ce soir avec nos deux panélistes et pas des moindres. Il s'agit d'abord de M. Tueli Angelo qui est un activiste politique, membre de la dynamique 11 millions de citoyens du président Kabralibi et aussi M. Fabrice Nafa qui est aussi un activiste politique qui est un habitué des plateaux de Canal Cette Harmonie. Repensons l'Afrique, c'est tout de suite après cette courte transition. Numéro le 699 66 85 58 où vous pouvez nous envoyer vos SMS et éventuellement vous pouvez réagir aux différentes thématiques qui vous seront proposées ce soir. D'abord nous allons commencer directement avec à notre gauche Monsieur Tueli Angelo qui va nous faire un aperçu de ce que c'est que le système BIA et qui pourra d'abord nous dire aussi quelle est l'appréhension qu'il a de la sortie du doyen d'âge Monsieur Victor, le très vénérable Victor Moukete qui a fêté ses 100 ans il y a quelques temps. Monsieur Tueli Angelo, bonsoir. Bonsoir Gontron et Lundo, bonsoir à mon copanéliste ce soir, bonsoir à tes milliers de téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Abondant dans le sens du thème de ce soir par rapport à la sortie du Tif Moukete, ce centenaire, ce doyen d'âge qui siège à sa deuxième mandature du côté du Sénat et qui a eu le ras-le-bol de ce que ses enfants meurent du côté du nord et du sud-ouest, pendant que nous, du côté du centre, et où précisément nous résistons, dans les bars qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ce qu'on peut dire, faisant l'état de lui-même, hein, de l'échec du régime BIA, c'est que nous sommes dans un système qui nous gouverne depuis plus de 36 années, 37 années, et l'analyse qu'on peut faire de ce système, ce régime BIA, c'est de partir d'abord sur la définition même de ce que c'est qu'un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont mis en interaction pour poursuivre une finalité, pour poursuivre un objectif. Et dans le cas du système BIA, on se pose la question, quel est l'objectif qui est visé par ce système? Quelle est la finalité? Quel est le but de la présence de M. BIA comme chef d'État au Cameroun? Alors, moi, peuple camerounais, d'une manière globale, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments qui sont naturellement ceux économiques liés aux emplois. Nous avons besoin des éléments sociaux, l'éducation, la santé. Quand on fait une analyse par rapport à ces éléments-là, on se s'interroge, on se pose une question, à quel niveau nous sommes? Quel que soit le pan de l'économie qu'on va aborder, on a toujours des manques. Prenons l'aspect de la production, parce que vous savez, la production même est au cœur de l'emploi. Quand il y a l'emploi, le revenu permet d'avoir accès aux services de santé, d'avoir accès aux services éducatifs, d'avoir accès à un certain niveau de vie, un certain bien-être. Le peuple a besoin du bien-être. Mais quand on parle de production, quel est le niveau de production au Cameroun? Prenons notre système productif. Allons précisément au niveau du secteur primaire, qui est celui de l'agriculture.
quel est le niveau agricole. Nous sommes dans un pays qui potentiellement a plus de 17 millions d'hectares de terres cultivables sur les 47 millions de superficie. Alors, quand on lit les documents qui nous viennent de l'Institut national de la statistique ou alors les statistiques qui sont faites, il ressort que nous avons moins de 5% de ces terres qui sont en exploitation. C'est terrible quand on sait que à côté, en Malaisie, quand on sait qu'aux États-Unis, quand on sait que l'Union européenne met la moitié de son budget, aux États-Unis, c'est plus de 55% de ces surfaces exploitables qui sont... Un instant, vous êtes déjà en train de rentrer pleinement dans ce qui est des propositions. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous voulons d'abord jeter un peu les bases de ce que sera notre débat ce soir avec M. Nafa qui va nous dire aussi ce qu'il pense de notre système, le système dans lequel nous vivons, qui est le système le système gouvernant actuel, le système RDPC, le système qui nous dirige. On est pour m'avoir dit bonsoir tous les téléspectateurs et à mon copanéliste. J'aimerais de prime abord aussi dire que la thématique de ce jour nous interpelle tous. Le système est-il un échec? De prime abord, il faut dire échec par rapport à quoi? Il faut parler par exemple sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur le plan social. Moi, j'aimerais m'attarder plus... Nous allons commencer peut-être par le plan politique, dans la mesure où c'est la sortie de l'honorable, du très vénérable Victor Mukete, le TIF, Victor Mukete, doyen d'âge de la Chambre haute du Sénat, qui nous a alerté, qui nous a fait comprendre qu'il s'agit d'un véritable échec auquel lui-même il aurait participé. Justement, par rapport à sa sortie, moi, j'ai la chance d'avoir parcouru ce qu'il a dit. Et je pense que c'est un monsieur qui n'a plus rien à perdre. À son âge, on est capable, on doit dire vraiment ce qu'on ressent. À son âge, on doit dire la vérité. Et il a eu un peu ce remords-là. Il n'a pas voulu participer à ce qui se passe dans... Parce qu'il faut se dire, quand vous êtes peut-être du nord-ouest ou du sud-ouest, et que vous êtes à Yaoundé, que dans votre village, c'est invivable, vous avez vraiment à redire, vous avez des choses à refaire. Vous dites que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que moi, en tant qu'élite de ce village, en tant que personnalité ressource, est-ce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait? Et il s'est posé des questions et il a su... Et au bon moment, il a dit que le président de la République est l'auteur de ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Moi, je pense que le régime Biya, en fait, est un régime qui a pour base des bases budgétivores. Ça va, ce qui intéresse en réalité les membres de ce gouvernement. Le peuple, qui en principe devait être, je vais dire, le peuple devait être là. La locomotive devait être l'objectif. Parce qu'en politique, il faut se dire, si on fait la politique, c'est pour le peuple, d'abord. Mais quand vous faites déjà la politique pour vos propres intérêts, vous faites la politique pour vous-même, il y a déjà un problème. Et c'est le malaise, le mal-être vécu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens se disent, ben, comment est-ce que nous sommes là, nous n'avons pas à vivre, nous ne sommes pas bien dans notre chair, mais à Yaoundé, on nous méprise, nous sommes en train de délaisser. Nous ne sommes plus protégés par nos gouvernants. Et dans une république, quand le peuple, quand les citoyens ne se sentent plus protégés par leur gouvernement, il y a une sorte de lassitude et toutes sortes de dérives peuvent arriver. Et c'est le cas dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut tout simplement, parce que pour moi, en réalité, moi, je n'attends plus rien du système en place, parce que c'est un système qui, je vais peut-être le dire un peu rapidement, mais c'est un système qui a échoué sur tous les plans et nous allons peut-être venir sur ça. Le système a échoué sur tous les plans, nous allons y aller fondamentalement, nous allons faire une analyse. D'abord sur le plan historique, sur le plan politico-historique, est-ce que vous avez l'impression que la crise politique au Cameroun a pour auteur le président Paul Biya? En réalité, la crise a commencé bien avant l'arrivée de M. Biya. Parce qu'il faut dire que nous sommes sortis des indépendances et depuis la colonisation, nous avons eu le malheur. L'Europe, l'Allemagne ayant perdu la guerre, le butin était partagé entre les Anglais et les Français. Il y a eu cette scission de langue. Nous avons vécu longtemps séparés. Il y a eu une sorte de réunification. Et durant ce contrat de réunification pour créer un État unitaire,
il y a certains qui se sont sentis floués, qui se sont sentis lésés. Parce qu'il était question au départ, la première personnalité devait être francophone et la deuxième serait anglophone. Avec le temps, on est vraiment allé pour l'unité. Mais tout au long du système, vous l'avez dit tout à l'heure, le centralisme qui est au cœur même du système politique gouvernant au Cameroun a étouffé ceux de nos frères du Nord-Ouest, Sud-Ouest qui ont vécu dans une forme, dans un autre système où la gestion est plus rapide, est plus directe, derrière le rôle, où rapidement les gouvernés trouvent des solutions à leurs problèmes. Il n'est plus question dans ce système pour un problème de reprofilage d'une route dans un village à Batibo que Yaoundé et Toudi interviennent. C'est ce système rapide qui a créé les frustrations. Vous savez, le centralisme qui caractérise le régime en place n'est pas pour faire plaisir, même ceux des régions francophones. Vous savez, nous avons des problèmes dans nos localités, nous avons des problèmes dans nos villages. S'il faut attendre tout le temps que c'est Yaoundé qui décide, nous savons ce que c'est que Yaoundé quand 1000 francs ont été engagés pour réaliser un projet. À la fin, on se retrouve, parfois le projet n'est pas réalisé, parfois c'est 10 francs qui ont été effectivement engagés dans le projet. Ça crée des frustrations. Nous, encore, on peut comprendre. Mais ceux qui sont du côté nord-ouest, sud-ouest, ont l'impression qu'il y a une forme de moquerie, qu'il y a une forme de mépris à leur égard. Et c'est ça qui est un problème aujourd'hui. C'est une situation d'autonomie qui dérange. Vous n'avez pas de coudée franche. Vous n'arrivez pas à vous développer. Aujourd'hui, on lance la décentralisation. Le Tif Mokoti constate effectivement que le régime est encore une fois en train de vouloir biaiser ce processus qui peut être salutaire. On voudrait que les régions, les collectivités soient autonomes. Mais avec la volonté qui est sûre, affirmée du régime en place, de faire passer les régionales avant les élections municipales et législatives, il constate, en vieux de son âge, que non, une fois encore, peut-être c'était l'occasion où le régime BIA pouvait mieux faire les choses en permettant aux collectivités autonomes de mieux travailler. Mais non, déjà le budget qu'on va allouer, c'est autour de 1%. Or, les pays comme le Rwanda, nous on a 15%. Nous ne sommes pas encore dans les questions économiques. Nous allons tout simplement demander à M. Fabrice, est-ce que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui aurait été mieux autrement? Bon, je pense que nous sommes dans un système unité décentralisé. Et je pense aussi que. Est-ce qu'effectivement, au sens de cette décentralisation, la solution? Justement, parce qu'on n'a pas pu implémenter ça, on n'a pas pu implémenter cela. Parce que. Et je pense que c'est inscrit dans la constitution du 18 janvier 1996. Le constitution avait déjà pensé à tout cela. Mais justement, puisque nous sommes gouvernés par des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, on n'a pas pu implémenter cela sur le terrain. Aujourd'hui, mon frère parlait tout à l'heure des régions qui devaient être mises en place. Vous avez compris ce qu'on nous a dit. Ça va que c'est passé comme cette affaire où il y a les maires et au-dessus des maires, il y a les délégués du gouvernement. C'est la même chose qui va se passer là, lors des élections régionales. Il y a toujours, comment dire, il y a toujours un superviseur, un peu comme un délégué du gouvernement ici là. Le délégué de la communauté urbaine, il est au-dessus du maire. Ça serait toujours de la même façon. Alors pourquoi, moi, il me dit que c'est pour ça que le Tif Mokoti est sorti de sa réserve. Il ne comprenait pas cela. Et je vais aussi revenir pour dire quelque chose. Le système BIA, le système qui nous gouverne en place aujourd'hui est obsolète. En réalité, il est désuet, puisqu'on ne peut pas comprendre qu'on est dirigé par toujours une minorité d'individus, une oligarchie, parce que ce sont les mêmes personnes, il faut le dire. Ce sont les mêmes personnes qui nous dirigent depuis plus de 50 ans. On ne comprend pas s'il n'y a plus d'autres Camerounais capables de nous diriger. On ne sait pas si Paul Bien, le président de la République, on ne sait pas si il ne regarde pas ces autres Camerounais-là. Je me rappelle encore des leçons présidentielles passées. Quand l'élection est passée, c'est vrai que j'étais tellement déçu, parce que moi j'ai tellement misé sur cette élection, sachant que le régime s'il devait débrasser le plancher, bon, ils sont encore là, on fait avec. Moi, je me suis dit qu'après les élections, puisque le peuple avait tellement pleuré, moi, je savais que mais le président devait remanier ce gouvernement, on devait chasser tous ces gars qui nous ont fait perdre la canne que le Gabon, le petit Gabon a organisé. On n'a pas pu organiser ça chez nous. C'est qui, moi, je n'ai pas compris ça.
On a donc sanctionné le ministre. Il faudrait quand même savoir que la CAN organisée au Gabon n'avait pas le même nombre d'équipes. On n'est pas dans le même système, on est dans une réforme. La belle excuse. Genre, nous ne voulons pas donner d'excuses ici au système, mais nous voulons tout simplement dire qu'on ne va pas dire que le Gabon est petit. D'abord, nous sommes quand même devant les téléspectateurs sur le plan diplomatique. Les Gabons sont nos frères. Petit Gabon, c'est un peu. Quand on dit petit Gabon, c'est par rapport au Cameroun. Nous voulons tout simplement dire une chose. Aujourd'hui, les organisations de la CAN, même si on y revient, ne reviendra certainement pas au Cameroun. Nous allons tout simplement y participer et peut-être organiser la prochaine CAN. Maintenant, pour revenir toujours sur le plan l'implémentation de ce système Paul Biya, est-ce que le système Paul Biya, sur le plan politique, comme vous le souhaitez, la décentralisation, la régionalisation, est-ce qu'il n'y aurait pas, il ne serait pas d'abord prudent qu'il y ait un accompagnement succinct au niveau de l'implémentation de la régionalisation, en effet, au lieu de lâcher directement les énergies ainsi et donner l'autonomie directement à ces différentes populations qui la demandent? En réalité, la politique telle qu'on l'a définie, elle est au service du peuple. En réalité, il faut savoir ce que veut le peuple sur des différents aspects de notre société. Les gouvernants que nous choisissons, on leur donne pendant une période notre souveraineté pour qu'ils mènent à bien la politique. Les politiques, leur projet de société qu'ils ont proposé, c'était peut-être pour le libéralisme communautaire. C'est un projet qui appartient à M. Biya. Parce que lors de la présidentielle 2018, rappelons-le au Camerounais, ils nous ont réchauffé ce vieux programme pour présenter justement un projet de société au Cameroun. Okay. Est-ce que le libéralisme communautaire a déjà été appliqué une seule fois? Jamais. En plus de 30 ans qu'il a été commis comme ouvrage, un bel ouvrage, nous sommes au Cameroun, nous savons que nous avons des intelligences qui nous gouvernent. Nous avons des conseillers techniques qui sont agrégés hors hiérarchie pour pondre des documents, une vision. C'est pas grand-chose, mais c'est la mise en œuvre qui est un problème dans ce pays-ci. C'est la mise en œuvre des politiques. Malheureusement, ce n'est pas tant les collaborateurs ministres de M. Biya qui font un problème. Moi, je l'ai dit, je le dis tout souvent, c'est M. Biya, en tant que président de la République, qui ne fait pas convenablement son travail. Prenons le cas d'un orchestre d'opéra. Vous avez dans cet orchestre une centaine de musiciens, de très bons musiciens. Mais si le chef d'orchestre, celui qui a cette baguette-là, n'est pas excellent à la manœuvre, n'est pas présent, c'est de la cacophonie qu'on va trouver. Et c'est ce que nous vivons au Cameroun. Ça fait plus de 36 ans que M. Biya est président de cette République. Avant ça, il a été dans tous les postes de pouvoir dans ce régime. Il a plus de 50 ans de haut commis de l'État. Mais il est toujours en train d'être floué, paraît-il, par ses collaborateurs. Or, il n'y a pas plus expérimenté que ce monsieur. C'est simplement parce que c'est un monsieur qui ne prend pas souvent la peine de s'asseoir, même une fois tous les mois, pour appeler ses collaborateurs autour d'une table, pour leur poser la question par rapport à leurs difficultés, par rapport à la CAN qu'on va organiser en 4 années, quels sont les blocages, par rapport au DSE qu'on a élaboré, quels sont les blocages, par rapport aux projets structurants, quels sont les blocages. On ne le fait jamais. On a observé le dernier conseil ministériel, un conseil ministériel de 15 minutes, où il y a 70 ministres. On est venu lire une politique générale et il est allé. Aux moments, il ne peut plus aller du côté de la Suisse parce qu'il y a la base qui se trouve de ce côté. Il est resté cantonné dans ses couloirs, là-bas, les couloirs du président. Il ne peut plus aller en Suisse. Monsieur le président de la République est personnel non grata du côté de la Suisse. Parce qu'il y a une brigade anti-Sardina, apparaît-il, qui guette ses moindres faits et gestes. En réalité, parce qu'il est coincé. La souveraineté du président de la République est-elle menacée? Parce qu'il est coincé au Cameroun, Monsieur Biya devrait appeler chaque mois ses collaborateurs pour leur poser des questions sur l'avancée du pays et savoir où le bas blesse. On se souvient encore de ces discours où il disait, c'est lui qui disait à ses collaborateurs, il criait à l'inertie. L'inertie pourquoi? Des gars, des collaborateurs qui n'ont pas de feuille de route. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a une feuille de route sur le gouvernement Yang. Des cahiers de charges qui avaient été donnés. On est dans un régime présidentiel. Nous savons ce que nous c'est que le Premier ministre. Nous sommes d'accord sur le principe du régime présidentiel. Nous savons ce que c'est que. Qui avait été donné à tous les ministres. Nous savons pertinemment ce que c'est que le conseil de cabinet qui n'aboutissent à pas grand-chose parce que tout le monde est nommé par la même personne. Le peuple camerounais a donné mandat au président de la République
à notre système semi-présidentiel. M. Biya doit s'asseoir avec ses collaborateurs tous les mois. Mais nous avons entendu pour leur poser des questions sur leurs difficultés. Du dernier remaniement que le président de la République, sous proposition du Premier ministre, qu'il a fait des nominations au point, il a nommé un grand opposant, M. Jean de Dieu. Nous allons revenir à vous maintenant. Nous allons vouloir aborder, savez-vous, la question de l'administration. Comment est-ce que vous pensez que notre système, si l'on parle d'un véritable échec, est-ce que au niveau de l'implémentation de la régionalisation, le problème de la crise anglophone peut être réglé par quelle solution? Bon, il pense que le problème de la crise anglophone, c'est un problème très délicat. Il ne faut pas prendre ça avec beaucoup de pincettes. C'est un problème qui va nécessiter beaucoup de l'implication de notre chef d'État. C'est vrai, moi, je pense que s'il y a un point où je suis peut-être d'accord avec mon président de la République, c'est sur le plan sécurité, parce que c'est que là-bas, c'est un monsieur qui fait toujours tout pour mettre ses compatriotes en sécurité. On a vu avec le cas Boko Haram. Dans les débuts de Boko Haram, ce n'était pas facile. Mais il a pu gérer la situation. Aujourd'hui, c'est la crise anglophone. J'espère qu'il va encore pouvoir gérer la situation. Là, moi, j'ai fait confiance à nos hommes en tenue. Mais où il faut vraiment mettre c'est l'accent. C'est un bon point pour le président. Non, c'est un bon point pour le président. Le Cameroun n'est pas un enfer. Moi, je ne pense pas que le Cameroun soit un enfer. Le Cameroun a ses problèmes, des problèmes spécifiques, des problèmes liés à la gouvernance. Nous sommes mal gouvernés, c'est ça le problème du Cameroun. On ne peut pas comprendre que nous, un pays comme le Cameroun a pratiquement plus d'une soixantaine de ministres assimilés. On ne comprend pas ça. Comment est-ce qu'un pays comme le Cameroun, où les Camerounais sont pour la plupart ils sont pour la plupart sur assistance respiratoire, sur le plan financier bien sûr, parce que les Camerounais n'ont pas d'argent, les Camerounais sont pauvres. On connaît les qui possèdent l'argent dans ces pays. L'argent tourne entre eux. Les Camerounais travaillent là, regardez les Camerounais dehors. Tous sont délaissés, abandonnés eux-mêmes. Vous partez à l'école, vous avez des diplômes, vous emmagasinez ça à la maison, ça ne vous sert à rien. Parce qu'on connaît, les qui doivent réussir. Apparemment, on a déjà... C'est là écrit sur la face de tout un chacun que voici celui qui doit réussir. Que font les enfants des pauvres s'ils n'arrivent pas à pouvoir trouver un emploi décent avec tous les diplômes qu'ils emmagasinent? C'est ça aussi la gouvernance. Mais vous avez un emploi décent? Moi, je ne parle pas de moi, je parle des Camerounais. Moi, je ne parle pas de moi précisément. Je ne parle pas de moi. Je parle dans la globalité. Donc, je généralise parce que. Est-ce que vous êtes donc l'enfant de quelqu'un? Je suis l'enfant de quelqu'un, bien sûr. Ok, mais donc vous êtes l'enfant de quelqu'un qui vous a donné des facilités? Non, pas l'enfant de. Je vous comprends ce que je veux pas dire. Vous êtes en train de vouloir me. Laissez-moi un peu parler. Je vous suis en train de dire ceci. Au Cameroun, on connaît comment on fait pour accéder à un certain niveau. Vous avez fait cela? Moi, je ne suis pas à un certain niveau. Moi, je ne suis pas assez. Moi, vous avez je me plais. Décent. C'est vous qui dites que j'ai un emploi, moi j'ai pas d'emploi. C'est vous qui non, juste pour savoir, parce que on a tendance à vouloir souvent dire des choses, mais toutefois, on ne se. C'est la réalité là, c'est la réalité là dehors. Regardez là dehors. Oui, la plupart de ceux qui sont là dehors dans la rue, ils ont des diplômes. Non, juste pour que les téléspectateurs sachent, nous sommes tous des jeunes. Un instant, je vous relance là tout de suite. Nous sommes tous des jeunes et nous voulons tout simplement dire ceci aux Camerounais, montrer que le système BIA, est-ce qu'il est vraiment un échec? C'est un échec. Total. Total. C'est un échec total. Il nous faut. En fait, ce qu'il faut au Cameroun, c'est quoi? Il faut reformer le Cameroun. Il faut repenser ce pays. Ce pays, du sommet à la base, est un échec. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des individus sont accaparés d'un pays. C'est-à-dire, plus de 36 ans au pouvoir, on ne comprend pas. Nous sommes en démocratie. En démocratie, quelqu'un n'a pas fait 36 ans au pouvoir. C'est comme si c'était un peu le seul à pouvoir gérer, à pouvoir gouverner. On ne peut pas comprendre cela. Sur cette question, avant qu'on aborde le volet économique et social, pensez-vous que la solution à la crise anglophone ne peut pas être résolue par le président, par le système RDPC et le président Paul Biya précisément? Monsieur Biya, mais il faut le dire, il ne va jamais le faire parce qu'on connaît l'homme. Il ne va jamais quitter de son piédestal. Il gouverne très peu ce pays. Il est très peu fait et ému par les problèmes des Camerounais. On peut juste voir ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Hein. Nous avons eu le cas de Notre-Dame, on a vu le président sortir. Quand il faut faire séduire les partenaires pour se maintenir au pouvoir, il sait bien le faire. Mais quand le ministère brûle ici, quand les populations camerounaises sont en détresse, même un message de sympathie, on ne voit pas de lui. En réalité, pour le cas de la crise anglophone n'est pas une crise, on aime bien le dire au mouvement 11 millions, ce n'est pas une crise séparatiste.
C'est une crise qui est liée à l'autonomie. Elle est autonomiste. Les Camerounais ont besoin des coudées franches pour travailler. Les collectivités ont besoin de pouvoir se développer sans qu'elles ne soient constamment étouffées par l'État central. Et avec la décentralisation qui arrive, on pense vraiment, c'est encore un rêve, on pense que peut-être le Seigneur va toucher ce monsieur, parce qu'apparemment il est ancien catéchiste, il a soi-disant été fils d'un, comment on appelle, un ancien d'église, un catéchiste. Là n'est pas la question. On se dit que peut-être cette fois-ci il va être touché. Parce que ce n'est que les prières qui peuvent changer le cœur de ce monsieur. Parce qu'il est d'une indifférence qui ne dit pas son nom. Les populations du Nord-Ouest, Sud-Ouest ont besoin qu'il y ait une table qui soit organisée pour essayer de discuter des problèmes. Pour que justement le problème d'autonomie, de véritable décentralisation, soit mis sur pied. Que non. Mais pour ajouter l'injure à la souffrance de ces peuples, ils veulent organiser une forme de régionalisme où ils vont prendre leurs petits copains, installer à la tête des régions, les jeunes pousses, installer encore une fois à la tête des mairies et au Parlement pour embrigader encore de manière globale les Camerounais. Pourquoi véritablement ne pas donner un budget conséquent à la décentralisation pour permettre justement que le Camerounais lambda n'attende plus grand-chose de l'État, mais qu'au sein des collectivités plus proches, avec leur maire, puissent gérer justement, les problèmes qui sont les leurs aussi calmement. Là, déjà sur les questions économiques, pourtant il y a une autonomie financière qu'on octroie désormais aux collectivités. Non, il n'y a pas d'autonomie. Le système politique aujourd'hui, pourquoi même vous attendez même, le budget de l'État? Même avec non, non. Le budget de l'État, c'est une richesse nationale. Généralement, elle est produite au sein des communes. C'est dans les communes que se trouvent les entreprises. Évidemment, c'est établi qu'il y a une partie de ce revenu national qui doit être affecté aux collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre d'apporter des solutions. Mais qu'est-ce qui empêche que cela soit fait? Mais c'est le régime dans lequel nous vivons. Je vous donne une autre information, mon très cher Gontran Elundo. Nous avons les communes et villes unies du Cameroun ont réclamé 10% du budget de l'État qu'on affecte aux communes pour mettre le développement local. Vous savez à quel niveau, à quel pourcentage nous sommes? Avec les 48 milliards qui ont été augmentés, on a 1%. Pourtant, quand on fait une étude comparative simple, on se rend compte que les pays comme le Rwanda, l'Assemblée nationale a voté à 15%, ils sont à 32%. Parce que le développement, l'école se fait dans la commune. Les centres de santé, c'est dans la commune. Les voies d'accès, c'est dans les communes. On peut développer l'agriculture dans la commune. C'est là-bas qu'il faut qu'on envoie la masse du budget pour permettre justement ce développement qui est local. Ce n'est pas à Yaoundé. Parce qu'à Yaoundé, ils sont très éloignés des populations et on se trouve un système où les détournements sont graves. Pourtant, quand il a annoncé à la mairie qu'on va reprofiler une route, tout le monde est au courant et on ne peut plus détourner ce projet. Bien, on ne peut plus détourner ce projet. Est-ce que désormais, avec l'autonomisation des communes, le système BIA n'est-il pas en train de lâcher un peu de lest et n'est pas en train de donner les voies futures pour un pays qui peut être vraiment en voie de développement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc tout est mauvais. Même, même les politiques de décentralisation sont très mauvaises. Non, ce n'est pas que tout est mauvais. C'est juste que ce sont les réalités. Ce sont des faits. Ce sont des faits que nous décrions depuis. Le régime en place n'a pas intérêt à libérer, à lâcher un peu du lest. Vous n'allez pas demander à un monsieur, je ne veux pas citer un nom ici, à un monsieur de je ne sais pas, il touchait peut-être un 50 millions, de laisser un peu sur ça pour faire partie de ça aux communes. J'ai dit, le système BIA a détruit complètement la couche sociale au Cameroun. Comment ça? Les jeunes aujourd'hui sont... Attendez, quand je regarde les enfants là à l'école aujourd'hui, parfois chaque matin je me passe un peu là, je les vois descendre la route, mais j'ai pitié de ces enfants. Que vont-ils devenir demain dans un pays qui est devenu un étang, un océan de misère comme le Cameroun? Mon grand frère parlait tout à l'heure du Rwanda. Mais le Rwanda aujourd'hui, c'est un pays qui a connu le génocide. Mais le Rwanda aujourd'hui est debout, de par la bonne gouvernance. On ne peut pas comparer Kigali à Yaoundé.
Yaoundé aujourd'hui, c'est un village. Regardez les routes là dehors. Il y a des ordures partout. Les routes sont platées et replatées à gauche. On ne comprend même plus ce pays. On se demande, mais que font nos dirigeants à la limite? On ne comprend pas. Le Cameroun, j'ai dit, était considéré, parce que pour moi ce n'est plus, était considéré comme la locomotive en Afrique centrale. Mais aujourd'hui, qui est la même les Tchadiens aujourd'hui, là, ils ne sont pas en avance sur nous. Moi, je parle pas la conscience de cause, parce que je suis avec les Tchadiens au quotidien. Ils sont en avance sur nous. Regardez la petite Guinée équatoriale. On peut comparer un petit équatorial guinéen à un Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui souffrent. Ils sont dans la misère. Ils sont les mendiants aujourd'hui, pratiquement. On ne comprend plus rien. Mais ce qu'il faut, c'est que les élections présidentielles sont passées. On comptait tout ça pour faire partie du régime. C'est pas, ils ont gagné. Mais maintenant, c'est que ce dont je peux appeler aujourd'hui, ce que je peux souhaiter, c'est qu'il y a les élections municipales et législatives qui arrivent. On ne gouverne pas seulement un pays quand on est à la tête. Même à partir du Parlement, si nous avons un nombre de députés conséquent, nous pouvons gouverner. J'appelle juste à l'opposition de s'entendre, de se réunir. C'est vrai que ce n'est pas facile entre eux. Mais entendez-vous, réunissez-vous. Prenez-nous le Parlement, les communes. On a besoin des opposants aujourd'hui, plus que jamais. Mais aussi, on a un problème avec le parti au pouvoir. On ne sait pas ce que le parti au pouvoir a contre l'opposition. Mais il veut rester au pouvoir. On ne comprend pas. Mais il veut rester au pouvoir. Il veut rester au pouvoir. On ne refuse pas. La conservation du pouvoir fait partie des missions d'un parti. Ça fait 32 ans. On a fait 32 ans sans parti politique d'opposition au Cameroun. Mm-hmm. Si ils veulent, on peut les laisser le pays. On les laisse. Ils gèrent comme ils veulent. Mais ce qui est sûr, un jour, ils auront un rendez-vous avec l'histoire. Parce qu'on ne comprend pas que. On veut juste les opposants veulent s'exprimer, ça devient un problème. C'est ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que le système BIA est aussi à l'origine de l'échec de l'opposition, par exemple? Oui, le système BIA, l'échec de l'opposition. Vous savez. Donc, si les opposants ne sont pas entendus à des élections présidentielles, c'est du fait du président. Être opposant au Cameroun est très compliqué. Le régime dans lequel nous vivons a divisé les Camerounais. Je pense que ces gens qui ont lu beaucoup les ouvrages de Machiavel. Divisé pour mieux régner. Ils ont mis au sein de l'opposition, au sein des populations, le tribalisme, qui est cette gangrène qui divise véritablement certains partis d'opposition. Et il ne faut pas oublier que le régime en place use de beaucoup de stratagèmes pour essayer de fragiliser l'opposition. Regardez ce qui s'est passé lors de la présidentielle. Nous avons eu un jeune leader, Kabila Libi, qui est monté au créneau, qui a mobilisé les masses. Mais quand le régime en place savait pertinemment que c'était l'argent qui était un problème. Pour la campagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? La caution était à 30 millions. On attendait un minimum 100 millions pour la campagne. Ils ont ramené à 30 millions pour donner 15 millions. Ils savaient pertinemment qu'avec les 15 millions, on ne pouvait même pas faire 3 meetings. C'est des roublards, c'est des vieux briscards qui gouvernent ce pays, qui ont un seul intérêt, et c'est dommage, ce qu'on sait, se maintenir au pouvoir. Mais j'aimerais dire que l'Afrique nous parle. L'Afrique nous parle et il faut que ceux-là qui sont au pouvoir ne pensent pas qu'ils sont là éternellement. Ils sont des pères d'enfants, ils ont des progénitures. Il faudrait qu'ils agissent toujours en bon père de famille, qu'ils permettent en cette année 2019 que d'abord les élections locales, municipales, législatives aient lieu et qu'il y ait un franc jeu. Ce qui concerne l'opposition, l'opposition est en train de se mettre en œuvre pour essayer de faire ça et là. Des mutualisations de forces, des coalitions pour avoir des listes uniques face au RDPC. Mais il faut que les Camerounais aillent voter. Les Camerounais aient préalablement des cartes d'électeurs et ils sanctionnent de manière systématique le régime en place. Parce que si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale, on va se retrouver en train de faire de bonnes lois, de permettre que les lois comme l'article 66 soient appliquées et de contrôler l'action du gouvernement. En ce moment, c'est même facile, c'est même préférable pour M. Biya qu'il y ait une Assemblée nationale qui soit forte pour permettre justement de l'aider à gouverner ce pays. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Le peuple camerounais ne veut pas, dans sa majorité, être président de la République, mais le peuple camerounais a besoin d'un changement, a besoin de développement économique, on a besoin d'emploi. La situation des jeunes au Cameroun, qui est plus de 60% de la population, mais qui à 80% est dans le chômage et dans l'emploi précaire. C'est cette jeunesse que nous vivons. Et cette jeunesse qui est démoralisée aujourd'hui, qui ne veut même plus aller s'inscrire parce qu'ils pensent que les dés sont pipés d'avance. La machine de fraude est extrêmement forte. La machine d'achat de conscience, la machine d'achat des 2000, les pains sardines. Les Camerounais ont rendez-vous avec l'histoire parce que parler de l'échec du régime Biya, même un enfant de la maternelle, un enfant du lycée de Deido peut en parler. C'est le lycée où on vient tuer les élèves.
les centres de santé où on confisque les femmes qui viennent de mettre. Bah, pourtant, on proposait une carte universelle ou à contribuer une carte de santé universelle ou avec une contribution de 1 000 francs en cas de maladie, on peut être pris en charge. Mais non, ils ne le font pas. Ils préfèrent embastiller les femmes qui ont accouché parce qu'elles sont démunies. On préfère voir les élèves qui meurent dans les lycées. Voilà dans quoi nous sommes. Est-ce que l'échec là est visible à tous les niveaux? Bien. Est-ce que l'échec est visible à tous les niveaux? Voilà le mot de notre panéliste qui dit ici que le président Paul Biya et tout son système ont échoué. Bien que nous soyons tout à fait logiques dans notre réflexion, nous voulons quand même apporter un petit éclairage à nos téléspectateurs. Près de 60 ans après les indépendances, le Cameroun a traversé plusieurs moments, un moment de multipartisme, un moment de monolithisme avec une main de fer qui a dirigé, un retour au multipartisme, peut-être au forceps, mais un multipartisme quand même. Les questions de communautarisme, les questions de la crise de sécession, les questions de la crise anglophone, les questions de terrorisme sont là aussi des problèmes auxquels sont confrontés le président de la République et tout son gouvernement. Bien que le Cameroun ne soit pas en train de fonctionner sur des bases fondamentalement saines, un chômage galopant, une crise économique dont on a toujours les retombées jusqu'à aujourd'hui, une société qui va en délabrement, un incivisme croissant, les Camerounais quand même continuent de survivre et espèrent que tout à fait qu'il y ait un changement un jour ou l'autre. L'inscription sur les listes électorales demeure la solution fondamentale à la citoyenneté, à l'expression même de cette citoyenneté, pour que nous n'ayons plus à nous poser des questions comme de savoir si le système auquel nous appartenons est un échec. Sommes-nous aussi comptables de l'échec que nous vivons aujourd'hui dans la mesure où nous le portons? Est-ce que le changement doit forcément venir du haut ou alors il doit être impulsé par le bas? Repensons l'Afrique, c'était la première thématique du jour. Nous allons désormais passer au deuxième thème avec la question du bilan des printemps arabes, la chute de Omar Hassan El-Béchir qui a laissé le fauteuil du pouvoir, qui s'est enfui, c'était la débandade la semaine dernière au Soudan. Bien avant, nous avons vu la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika. Voilà un peu les derniers bastions du printemps arabe qui sont tombés. Et aujourd'hui, dans Repensons l'Afrique, nous allons essayer de faire une petite analyse, un léger bilan de ce qu'a été le printemps arabe depuis les années 2011. Repensons l'Afrique, c'est tout de suite après cette transition. Omar Hassan El-Béchir est tombé, le Soudan est libéré, mais on observe quand même quelques soubresauts sur le plan politique qui laissent entrevoir une nouvelle forfaiture. Le pouvoir soudanais est-il vraiment revenu au peuple ou encore y a-t-il certains agents tapis dans l'ombre qui veulent profiter de la pluie pour essayer de jeter quelques ordures à l'intérieur du torrent, qui veulent continuer de maintenir le peuple dans une certaine paupérisation, dans une certaine ignorance politique? Nous avons par exemple les services secrets, l'agent de renseignement, la puissante agent de renseignement soudanaise qui continue de semer la terreur à Khartoum, qui continue de vouloir mener les citoyens vers une espèce d'aveuglement de la question politique. Repensons l'Afrique d'abord avec notre panéliste de droite, monsieur Nafa. Qu'est-ce que vous pouvez dire des printemps arabes depuis 2011? D'abord, il faut dire que le printemps arabe, d'abord, ça, je pense que c'est les journalistes qui ont surnommé ça comme ça, lors du départ de Ben Ali et de Moubarak en Égypte et en Tunisie. Bon, il faut dire que tous ces Omar El-Béchir, le président algérien, bon, on ne veut pas parler du Cameroun, mais ils ont un dénominateur commun qui est la longévité. On ne peut pas comprendre que les messieurs peuvent s'asseoir à la tête d'un pays pendant plus de 20-25 ans. Ils sont coupés de leur peuple, le peuple souffre, mais ils veulent toujours continuer à gouverner. On ne comprend pas ça. Le goût du pouvoir, on ne comprend pas ça. Normalement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, puisqu'on aime trop copier l'Occident, puisqu'on aime trop copier la France. Est-ce qu'on aime copier l'Occident ou on aime, alors est-ce si que on nous, pas nous voulons juste nous comparer à l'Occident? On veut copier, mais on copie mal. Qu'est-ce que nous avons déjà copié de l'Occident? Mais, par exemple, le cas de la France. Chez nous, ici au Cameroun, on copie tout de la France. Comme quoi, par exemple? Sur le plan politique, par exemple. Regardez tout le système en place.
Le régime politique en place est calqué, sur le modèle français. Non, pas du tout. En réalité. Non. Si. Non. Et les régions, c'est français. Nos enseignants. C'est pas là le débat, mais nous, vous pouvez demander au président Kabalibi, qui est un brillant juriste, qui pourra vous dire qu'il y a une grande différence entre le système politique camerounais et le système politique français. Si je peux chuter. Bien, allez-y, continue. Je voulais dire que, comme j'ai dit tantôt, le donateur commence à longévité. Vous ne pouvez pas faire plus de 30, 35 ans au pouvoir. Il y a une sorte de lassitude à un moment donné. Il faut savoir quitter les choses. Moi, il me dit, ils sont tous responsables de ce qui les arrive. Quand il prend le cas de l'Algérie et peut-être du Zimbabwe à son temps, ces deux présidents, c'était des zéros en réalité parce qu'ils ont lutté pour la libération de leur pays. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. On peut au moins leur donner quelques bonus parce qu'ils ont bataillé pour la libération de leur pays. Or, au Cameroun, il y en a qui ont profité. On a donné à ceux qui vraiment n'en voulaient pas le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Et il faut aussi dire que Omar El-Béchir a été là des casseroles qui traînent derrière. Il a beaucoup de casseroles et c'est vrai, les Occidentaux sont derrière lui. Vous savez que même à ces pays, un mandat d'arrêt contre lui depuis. D'ailleurs, le procureur Fatou Bensouda a réclamé son arrestation et qu'il soit amené du côté de l'AE. Voilà. Et tant qu'on est toujours dans cette sorte de gouvernance qui consiste à mépriser son peuple, à faire comme si le peuple n'existait pas, il faut savoir que le peuple est au centre des priorités de l'homme politique. Quand vous écartez à le peuple, vous êtes déjà en marge de ce qu'il veut. Et en principe, vous devez tomber. En principe, ils doivent tomber. Un léger bilan quand même sur les printemps arabes. Après Hosni Moubarak, après Ben Ali, après Kadhafi, et après aujourd'hui, c'est Omar Hassan El-Béchir qui subit là ou peut-être aussi la division de son pays, le Soudan, en deux, qui a perdu toute une partie du Sud-Soudan, qui était le premier producteur, une grande zone de production pétrolière. Est-ce qu'il ne paye pas là un peu le prix de la guerre contre le Soudan, le Sud-Soudan? Pour faire le bilan des printemps arabes, parce qu'il faut rappeler que c'est depuis 2011 qu'on parle de printemps arabe avec ce qui s'est passé du côté de la Tunisie. Et la Tunisie a été un bon élève de la transition démocratique. Parce que après le régime de Ben Ali, on voit en Tunisie un régime qui est multipartiste et puis qui est même démocratique. Mais il y a eu beaucoup d'autres endroits comme en Égypte où ça ne s'est pas très bien passé, où l'insurrection populaire, la volonté de changement des peuples a été confisquée par certaines classes. Le cas d'Égypte, on voit comment le pouvoir en place, c'est une autre forme de dictature. Aujourd'hui, Assisi a fait passer hier une loi où il pouvait rester. Il y avait limitation de mandat, mais aujourd'hui, il peut le rester jusqu'en 2030. C'est une forme de dictature qui est née. Il y a eu le cas de la Libye, où nous savons ce qui se passe, le chaos qu'on a créé. Pourtant, on espérait enlever, décrocher ces dictateurs. Les efforts du peuple ont été confisqués. C'est le même cas au Soudan, c'est le même cas en Algérie. Mais les Algériens sont en train de tenir. Ils avaient décidé de faire tomber le président de la République, son premier ministre et le président du Conseil constitutionnel. Là, il y a deux qui sont tombés. C'est vrai qu'il y a le président par intérim qui est venu là, mais il faut qu'il tombe. Et nous, on est content de ce peuple qui a décidé de prendre son destin en main et de chasser ses dictateurs. Est-ce que qui est le bon élève des printemps? Parce que si on fait un bilan, on va observer par exemple que bien que la Tunisie ait eu un changement de régime relativement démocratique avec Recep Tayyip Essebsi, on constate néanmoins que le chômage, la courbe du chômage est toujours grandissante et que le tissu, le délitement social existe encore. Vous savez, quand on a subi un coup d'un système qui est là depuis 30 ans. Il faut du temps. Et il ne faut pas oublier que le contexte économique aujourd'hui est assez difficile. La crise économique frappe tous les États. Mais les peuples ont besoin d'alternance, de voir de nouvelles têtes, d'avoir de l'espoir. Est-ce que ce n'est que l'alternance qui est nécessaire pour que le peuple soit content? Oui. Fabrice le disait très bien tout à l'heure. Quand vous êtes resté plus de 20 ans au pouvoir et que vous n'êtes plus connecté à votre peuple,
Les préoccupations du peuple ne sont plus vos préoccupations, vous devez laisser le pouvoir. Et le peuple le ressent. Quand vous quittez la présidence pour aller à l'aéroport, que toutes les boutiques sont fermées tout le long du chemin, et que vous ne voyez pas âme qui vit, vous êtes déconnecté des problèmes des Camerounais. Vous ne savez plus combien coûte un pain. On est dans dans les printemps arabes. Là. Oui. Nous avons encore amené au Cameroun. Oui, je n'ai pas parlé du Cameroun. Je parle de la façon de gouverner. Vous êtes déconnecté des problèmes des Camerounais. Oui, après 20 ans, c'est peut-être la passion on se déconnecte. Après 20 ans, on se déconnecte. Et on n'est plus au fait des problèmes du peuple. En ce moment, le peuple a besoin d'alternance, de changement. Parce que quand vous êtes dans ce type de situation, même si c'est une véritable crise économique qui peut se justifier, qui arrive, on ne peut plus justifier. Parce que le peuple ne voit plus l'effort que vous fournissez pour leur assurer leur bien-être. Le peuple n'a pas besoin de grand-chose. Le peuple a besoin d'un certain nombre d'éléments, d'emploi. Les jeunes ont besoin d'emploi, qu'on parle quand on soit en Tunisie, en Égypte ou au Cameroun. Les jeunes ont besoin d'avoir accès aux centres de santé, aux soins de santé, avec des plateaux de qualité. À Khartoum, il y a tout cela. Non, mais nous savons ce qui s'est passé à Khartoum, nous savons ce qui s'est passé au Soudan, avec les guerres de ce côté-là. Nous avons nombre de personnes qui sont mortes. Nous savons que la Cour pénale internationale attendait même ce Omar El-Béchir parce qu'il a commis énormément de méfaits lors de la guerre du Darfour. Nous savons ce qui se passe là-bas. Et ces gens sont souvent protégés par l'armée. Cette fois-ci, que ce soit en Algérie ou au Soudan, quand le peuple s'est levé, l'armée a reculé. Et cette armée-là, ces pays-là nous interpellent au Cameroun. Nous sommes dans la même situation. Nous avons suivi ce que Thibault Nagui a dit. Il y a le nord et le sud-ouest là où c'est. Les populations sont dans le ras-le-bol. Nous n'allons pas revenir sur le Cameroun, nous voulons rester dans la thématique. Oui, c'est l'Afrique. Ce qui se passe là-bas, c'est pareil ici. Nous avons choisi une thématique bien précise. Hein. La chute de Omar El-Béchir aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les printemps arabes ont véritablement porté leurs fruits? Non, pas du tout. C'est vrai, ça a aidé à un niveau, à un certain niveau. Mais il n'y a pas seulement eu des changements de tête, mais il y a eu des changements de système. Est-ce que ces systèmes sont positifs pour les populations? On voit en Libye. En Libye aujourd'hui, la Libye n'existait plus en tant qu'État. Donc, on ne peut pas dire que le printemps arabe a vraiment fonctionné. On peut aussi dire. On veut étendre un peu la question, la situation des printemps arabes qui part au milieu Maroc, qui est un véritable royaume, la Tunisie, nous avons l'Algérie, nous avons la Libye, nous avons l'Égypte, nous avons traversé les frontières, nous avons le Soudan, nous avons le Yémen, nous avons aujourd'hui la Syrie. Tous ces printemps arabes, si on fait un bilan aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que ces mouvements-là ont été positifs? La preuve, c'est que le peuple souffre. Le peuple souffre. Tant que le peuple souffre, continue de souffrir, on ne peut pas parler d'une certaine positivité en réalité. Parce que tout ceci-là, ce printemps-là, ça pour objectif quoi? L'objectif, c'est de pouvoir mettre le peuple à l'aise. Mais tant que le peuple souffre, c'est pour ça que le peuple descend dans la rue. En réalité, quand vous regardez le cas de l'Algérie, mais avec toutes les richesses que ce pays peut engorger, on ne comprend pas comment. Le peuple ne comprend pas comment, avec toutes ces richesses, ils ne peuvent pas s'épanouir, ils ne peuvent pas se sentir à l'aise dans leur peau. C'est ce qu'on ne comprend pas. Moi, tout ce que nous demandons, c'est de mettre le peuple au moins à l'aise. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut au moins respecter. Mais tant que vous vivez uniquement pour vous et vos familles, c'est ça le problème avec nos hommes politiques en Afrique. Ils ne vivent pas en pensant au peuple, en pensant aux citoyens. Ils vivent en pensant d'abord pour eux-mêmes. Et c'est ce qui n'est pas bon. La politique, moi, j'ai toujours envie de dire cela. La politique, c'est de mettre l'homme au centre des priorités. Quand vous avez un homme politique, c'est pas moi, je vais toujours revenir au Cameroun parce que le cas du Cameroun me parle beaucoup. Quand on a un président qui est déconnecté de son peuple, un président qui ne peut pas se déplacer sans que son peuple souffre. Moi, j'ai été en ville une fois, quand mon président sortait. Je vous assure, c'est comme si vous avez peur. Mais votre président que vous avez élu, tu as élu quelqu'un, et demain tu le vois, tu as peur encore de lui. C'est ce qu'on ne comprend plus au Cameroun. On vous a élu, vous dites bien que nous vous avons élu. Mais pourquoi est-ce que vous avez peur encore de nous? C'est ce qu'on ne comprend pas. Nous allons revenir à vous. Parce qu'il faudrait qu'on reste sur la thématique, je le précise bien. Laissons les passions de côté.
et faisons l'analyse de la situation de l'Afrique. Repensons l'Afrique, c'est cette émission qui ne va pas seulement parler de l'actualité camerounaise, mais qui veut aussi évoquer les questions de nos frères africains ailleurs. Les printemps arabes, aujourd'hui, doivent parler aux Camerounais, effectivement. Mais est-ce que les révolutions ont-elles porté effectivement leurs fruits? Nous avons eu différents types de révolutions. Est-ce que sur le plan économique, politique, social, on a pu observer une espèce d'avancée positive au niveau de tous les présidents arabes? Les différents présidents ont fait effectivement chacun plus de 20 ans. Moubarak avait un peu plus de 35 ans. Nous avons le président Omar El-Béchir qui a fait à peu près 30 ans. Nous avons eu le président algérien Bouteflika qui a été à 20 ans. Nous avons eu Mouammar Kadhafi qui a dépassé un peu aussi les 30 ans. Est-ce que, 40 ans. Est-ce justement 40 ans avec le président Kadhafi et le guide libyen, est-ce que les changements à la tête de ces régimes-là ont effectivement porté de véritables changements au niveau du système de gouvernance et même de gouvernement, hormis l'Égypte qui a réussi à avoir une espèce de stabilité parce que le général Ahmed Fattah al-Sisi a eu à faire un coup d'État et qu'il a remis en place le même système Moubarak. Sur ce cas de l'Égypte-là, ne nous parle-t-il pas? Est-ce que du fait de remettre en place le système Moubarak, ce n'est pas la montée que ce sont les vieilles mammites qui font toujours les meilleures sauces? Il n'est pas question de vieilles mammites. Hein. Il est question d'avoir des hommes qui pensent au peuple. Quand on fait la politique, c'est pour se mettre au service de l'humain. Le projet de société qu'on propose aux populations, c'est pour améliorer leur existence, leurs conditions de vie. C'est pas tant le printemps arabe, l'insurrection ou les révolutions qui intéressent les peuples, mais c'est la quête du bien-être. C'est normal pour un peuple de penser que 30 ans de même présidence, de même régime, on en a marre. Parce qu'il faut l'alternance. On voit le monde entier, ceux qui nous gouvernent, là où ça se passe très bien, en Europe. Le président, les présidents là, on veut passer plus de 5, 6 présidents. Là-bas, ça marche parce qu'on alterne. Quelqu'un vient avec de nouvelles idées, on lui donne l'occasion de proposer ses idées. Quand il a un échec, il passe. Nous avons vu le cas de Sarkozy. Nous avons vu le cas d'Hollande. Il n'a pas pu faire deux mandats parce que le peuple ne s'est plus reconnu dans ses efforts. Pourquoi les peuples aussi chez nous ne réussissent pas à faire cette transition? Non, le problème, la vérité, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Les élections sont biaisées d'avance. Les résultats sont connus avant le départ. Qui vote? Quel que soit le vote qui va être opéré, les résultats sont écrits dans des bureaux. Et on décide comme ça d'affecter qui 6%, qui 12%, en fonction de celui-là qu'on veut calmer dans ce élan, ou celui-là. Bref, on sait ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes pas au Cameroun. Il y a des détournements qui se passent, la corruption dans tous ces pays, en Algérie. Ce régime utilisait les deniers publics pour corrompre les populations. À un moment, le peuple, fatigué de prendre les 2000, a besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin d'un système éducatif qui soit performant. C'est de ça qu'il est question. Avons-nous vu un système éducatif performant se mettre en place depuis le début des printemps arabes? La vérité sur la question des printemps arabes, c'est que les résultats n'étaient pas très bons. Quand on met à côté le cas de la Tunisie, les autres, vous avez parlé de la Syrie, l'envie de révolution a créé autre chose. On s'est retrouvé en Irak, en Syrie, avec des organisations telles que l'État islamique. C'est grave, c'est le chaos qui s'est créé là-bas dans ces États-là, qui disparaissent même. Le cas de l'Égypte, par exemple, qui nous interpelle, est-ce qu'en Égypte, on a vu les frères musulmans qui sont arrivés, ils ont pris le pouvoir, et le général al-Sisi a été nommé premier ministre, je crois, à cette époque-là. Est-ce que le fait que ce soit les frères musulmans, c'est ça, pas ça qui pose le problème? Parce que nous sommes dans les pays islamiques, et le choix du peuple a été porté vers une formation politique religieuse, mais on a constaté par la suite que ceux-là qui gouvernent le monde n'ont pas adoubé le choix du peuple. Est-ce que le peuple, effectivement, est à l'origine de ces printemps? Bon, c'est vrai, c'est une question un peu complexe. Mais il faut dire que rien ne peut se faire sans le peuple. Vous ne pouvez manipuler une personne, des personnes, mais vous ne pouvez pas manipuler tout un peuple à la réalité. Quand vous voyez le peuple se soulever, ça veut dire que ce peuple a des raisons
Ce n'est pas des raisons de s'indigner. Donc, je pense que le peuple, en réalité, sait ce qu'il fait. Dans votre question, moi, il y a un peu comme une sorte. Il y a un peu un arrière-goût de manipulation. Non, il n'y a pas de manipulation derrière. Manipulation des puissances étrangères. Des puissances étrangères. Il n'y a pas une manipulation derrière, je ne pense pas. Parce que vous ne pouvez pas. Regardez un peu ce qui se passe au Soudan. Vous ne pouvez pas me dire qu'on les a manipulés. Tout le pays est sorti comme un seul homme. En la réalité. Donc, c'est parce qu'ils vivent mal. Et ils vivent mal avec les richesses qu'ils connaissent, que le pays peut engloutir. C'est ça le problème. Donc nous voulons. Oui. Oui, Fabrice, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu dis. Regardons les cas des émeutes de la fin de 2008. Est-ce qu'il y a eu des manipulations? Non. Le peuple camerounais s'est retrouvé avec un pouvoir d'achat qui est tombé. Même les produits de première nécessité, on ne pouvait plus avoir accès. Le sac de riz qui coûtait 12 000 s'est retrouvé à 18 000. Les Camerounais, d'une manière spontanée, parce que, torturés par la famine, sont sortis comme un seul homme. Il n'y a pas eu de manipulation politique derrière, il n'y a pas eu de manipulation des grandes puissances. Le peuple, j'aime bien le dire, n'a pas besoin d'être président de la République. Le peuple a besoin d'avoir accès aux produits de première nécessité. Le peuple a besoin de pouvoir avoir accès aux soins de santé. Le peuple a besoin d'emploi. Et c'est aux gouvernants d'apporter, de mettre en place des systèmes qui permettent d'avoir accès à l'emploi, d'avoir un plateau technique dans nos hôpitaux qui soit de niveau, d'avoir une éducation de qualité, d'avoir des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes. C'est leur rôle. Mais quand ils n'arrivent plus à assumer ce rôle, ce n'est plus la manipulation étrangère. Nous avons donc une chose, c'est que la plupart du temps, lorsque les peuples se soulèvent, il y a toujours une espèce de mainmise à l'arrêt pour récupérer justement les révolutions populaires. Je ne veux pas dire qu'il y a une manipulation pour que les peuples se soulèvent, mais je veux dire, par la suite, généralement, il y a une espèce de on guide généralement la volonté de ce peuple-là vers des individus ou bien vers des personnes qui vont pérenniser un système ou alors qui vont faire la volonté de cette puissance mondiale. Monsieur Elundu, ce qu'on peut dire ici, prenons le cas de l'Algérie. Monsieur Bouteflika, à part, est-ce que le régime est tombé? À part l'Algérie. Est-ce que le régime la tombe pour la, en réalité? Le régime ne tombe pas parce qu'un régime est tenu sur plusieurs piliers. Quand l'un des piliers que le président a appelé, que tout le monde voit, tombe, le régime est encore en place, avec les mêmes personnes qui sont en embuscade. Et c'est ce qui se passe au Soudan, avec le général Bourane. C'est un ancien du régime qui prend le pouvoir. C'est une continuité. Et c'est ce cas, Bachar el-Assad, qu'on a essayé du côté de la Syrie. C'est le même personnage qui est là. C'est pour ça que le peuple algérien dit, M. Bouteflika est parti. Le président du Conseil constitutionnel a démissionné. On veut toutes ces personnes-là quittent. On veut de nouvelles personnes pour rêver. Le peuple porte, mène une révolution pour rêver, pour avoir de l'espoir. C'est l'espoir qui nous permet de vivre. Quand il n'y a plus d'espoir, le peuple se soulève. Nous allons terminer par ces quelques questions. Est-ce que les printemps arabes tels que nous les vivons peuvent être transposés par exemple au Cameroun sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure ou alors bon des appelleurs comme nous avons, nous voyons maintenant que lorsque vous vous exprimez parfois on dit appel à la haine ou bien tentative d'insurrection, mais est-ce que lorsque nous faisons une analyse simple, est-ce que ces printemps arabes ne sont pas là, il n'y a pas des ingrédients qui vont nous faire croire que tiens ça peut arriver au Cameroun? Non. Le Camerounais est très complexe. Les Camerounais sont un peuple épris de paix, à la réalité. Ce serait très difficile de vivre une telle situation au Cameroun. Ça serait très difficile. Moi, je pense que la seule façon d'espérer voir ce gouvernement partir... Lequel? Le gouvernement, le régime bien. Le régime bien. Okay. La seule façon, moi, il me dit... Parce que, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Parce qu'on sait ce qui s'y passe. Par quoi alors? C'est mal les prières. Je vous assure, il faut prier. Parce que moi, j'imagine que les Zimbabwéens ont prié. Mugabe est parti. J'imagine que les Algériens, c'est vrai, ils n'ont pas prié, ils sont dans la rue. Peut-être en priant aussi. Vous devez qu'elle est parti. Nous espérons aussi qu'en priant, le régime bien va essayer de décider le camp. Oui, vous chutez par là aussi avec la même question. Je ne pense pas que ce soit la prière. Je pense que le régime Bia, entouré des agrégés de droit et autres, maîtres dans la conservation du pouvoir, chaque fois qu'il y a eu un cas, comme par exemple en 2014 au Burkina,
il y a une association populaire pour faire partie le président Mugabe, Blaise Compaoré. Nous l'oublions déjà. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? À la caisse de résonance qui est l'Assemblée nationale du Cameroun, on a fait des lois. Il y a la loi de 2016. Le code pénal prévoit dans les articles 111, 112, 113, l'hostilité à la patrie, l'insurrection. En fait, on est dans un... On encadre le peuple camerounais avec des lois soviétiques pour permettre, pour empêcher justement... On peut s'exprimer. Au peuple de s'exprimer. Et c'est dommage. Moi, je pense que le peuple camerounais, face à son histoire, déjà, il faut avoir une carte d'électeur. Il faut qu'on vote massivement contre les représentants du RDPC pour permettre justement que dans nos mairies, nous gérions mieux nos mairies, qu'à l'Assemblée nationale là-bas, nous ayons des personnes qui veulent travailler pour ce pays, qui peuvent être le contrepoids à l'hyper-centralisation, l'hyper-pouvoir de tout dire, pour permettre justement de contrôler l'action du gouvernement, du régime pléthorique en place, et permettre justement au peuple d'accéder un tant soit peu à un certain bien-être, un développement économique et social. Les peuples crient, les peuples souffrent, les peuples veulent sortir de cette misère, la misère ambiante qui est celle-là qui caractérise principalement le continent africain. Est-ce qu'il faut transposer les printemps arabes aux États de l'Afrique francophone, de l'Afrique subsaharienne? Nous ne pouvons pas dire ainsi parce que chez nous, il y a une certaine complexité, comme l'a dit notre panéliste aujourd'hui. La complexité qu'est le Cameroun, la complexité que représentent ces États francophones nous laisse à croire que peut-être il y aura un espoir, peut-être un espoir par la prière. Nous allons aussi invoquer les changements par les dieux, mais nous ne sommes pas là pour mettre le feu à la maison. Nous voulons tout simplement éveiller les citoyens pour que ceux-ci deviennent des citoyens meilleurs demain et que ceux-là prennent aussi leurs responsabilités lorsque le moment est venu pour eux de choisir leur avenir. Repensons l'Afrique. Ce soir, c'était une émission qui vous a été présentée par Gonzalo Lundu. Nous avons eu pour thématique le système BIA est-il vraiment un échec, et aussi la chute de Omar Hassan El-Béchir. Quel bilan pour les printemps arabes? Les printemps arabes nous en ont parlé. Le système BIA nous a parlé par la voix du chief Moukété qui a tiré la sonnette d'alarme. Nous avons essayé avec nos deux panélistes de vous éclairer un peu sur la situation, sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Repensons l'Afrique. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes. Nous vous disons bonsoir et nous espérons que vous êtes au chaud parce que dehors là, il pleut un peu. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le Cameroun. Repensons l'Afrique. À mercredi prochain.